vraiment un merci. Je considère que vous pouvez l'appeler Richard, de toute façon, ce soir, c'était Richard. Voilà, c'était pour lui, c'est pour lui, et vraiment, je vous remercie pour votre écoute. Je me suis dit, bon, soit ils dorment, soit ils sont partis. Et je voulais vraiment remercier cet endroit magique, vous remercier d'être venu, parce que voilà, je sais que c'est les vacances, vous avez toujours des choses, des occupations, autres, tout ça. Et vraiment, je voulais vous dire un grand merci, parce que pour moi, c'est comment dire, être ici pour ce théâtre, ce soir, et pour Richard Martin, et Françoise, et Marc, et Bernard, et la troupe, et Fatima, tout le monde, et les petits saints que je vais nommer d'ailleurs, parce que c'est un sacré boulot. Eh bien, c'est tout le sens de mon métier, de ma passion, en fait. C'est encore plus, comment dire, vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est encore plus de sens quand on le fait pour quelqu'un qui se bat, qui est à l'hôpital, et que j'ai la chance de voir cet après-midi, et tout ça, et il est là, donc, et qui se bat comme un fou pour des choses qui sont des choses essentielles de l'humanité, enfin, je veux dire, voilà. Donc, qui sont des choses essentielles de l'artiste, d'un être humain, d'un homme, enfin, voilà, qu'on doit respecter et absolument célébrer avec tout ce qu'il a fait. Et vous êtes voilà, comme des enfants de Richard, parce que vous êtes là, vous êtes venus, vous êtes des enfants sur le théâtre, et c'est merveilleux, vous savez, vraiment merci, parce que, voilà, tout ça s'est fait, je suis dans une chaîne, hein, moi, de plusieurs soirées de soutien, je sais, et vraiment, moi, je voudrais dire que Richard, c'est un homme qui est commun, hein, dire, qui fait la grève de la faim aujourd'hui, je sais pas, qui se met comme ça, met sa vie au service de l'art et de nos métiers, qui sont des métiers de saltimbanque, comme il le disait. Alors, c'est vrai qu'on est des saltimbanques, moi, je pense exactement comme lui, je suis fière d'avoir un grand frère comme lui, car c'est comme mon frère, c'est comme tous les gens de ce théâtre, et tout à coup, pour moi, c'est un honneur, c'est ça que je voulais vous dire. Clémentine, merci beaucoup d'être venue à Marseille pour soutenir Richard. Autorski, c'est normal, c'est la moindre des choses, franchement. Et j'étais heureuse de pouvoir le faire, tu vois, de pas jouer quelque part. C'est normal d'être là, franchement, si je pouvais rester, mais bon, après, il faut que je répète parce que je joue à Paris. Est-ce que vous vous faites porte-parole justement auprès de vos collègues saltimbanques? Oh oui, mais j'en ai pas tellement, moi, d'amis dans ce métier. Mais Richard est un ami. Ben, je fais porte-parole à la télé dès que je peux. Voilà. Oui, c'est ce qu'on a vu. J'ai demandé à monsieur le maire de rencontrer, oui, Richard. J'ai supplié. On verra. Il y a longtemps que vous connaissez Richard? Ça fait un moment, oui. Vous l'avez connu comment, dans quelles circonstances? Je ne sais plus combien de temps. Ben, ici, oui. Autorski. Ben, oui, je l'ai connu Autorski. C'était au début. Je ne sais plus, il y a... Marc, quand est-ce que j'ai rencontré Richard? Allez Marc, toi qui as la mémoire. Il y a 20 ans, 10 ans. Ah oui, une vingtaine d'années. C'était sur quel spectacle? À Richard, oui. Je pense que c'était peut-être dans la peau d'un noir, où c'était un spectacle où j'étais un homme et je me transformais en homme noir. Ou alors il y avait 24 heures la vie d'une femme. Non, alors c'était dans la peau de 24 heures la vie d'une femme, c'est pas trop bien. C'était un roman de John Howard Griffin. C'était un homme pendant les années 70, américain, blanc, qui se transformait en noir pour voir ce que c'était que le racisme. Voilà. Et donc il m'avait accueilli dans ce théâtre. C'était un souvenir. Mais est-ce que c'est une fausse annonce? J'ai vu que vous étiez arrivé de faire une grève de la faim une fois, non? Ah non, c'est pas, non, c'est pas vous. Non. Alors, vous voyez, c'est un article faux encore. Oui, c'est faux. Donc voilà, non, mais il y a beaucoup de choses fausses dans la presse, oui, vous voyez. Voilà. C'est n'importe quoi, faut faire attention. Ah oui, non, j'ai tapé grève de la faim, il y avait tous les artistes qui avaient fait une grève de la faim, vous étiez dedans. Non, 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 vous voyez, je crois pas. Ah si, si, voilà. Mais bon, j'ai tapé sur le moteur de recherche, ouais. Et vous voyez, comme quoi, comme ça. Des bêtises. Voilà, mais oui, il faut écouter la vérité. Voilà, exactement. Et nous, on est là pour témoigner, en tout cas, merci beaucoup, merci Clémentine. Merci à vous, merci. Merci. Je suis évidemment bouleversée. Dire, le combat continue, il est essentiel, vous êtes essentiel, les artistes sont essentiels, ces murs qui appartiennent à la ville, mais qui ne sont pas le Tourski, et qui ont, l'âme du Tourski, c'est Clémentine, c'est ceux qui travaillent dans ce lieu, je viens de remercier et tous les autres, et c'est surtout si Richard Martin,
qui vient de faire 16 jours de grève de la faim, 16 longs jours d'enfer de grève de la faim, pour aussi rester dans ce lieu qu'il a créé et vraiment certains veulent le mettre dehors de façon indigne, insupportable, irrespectueuse. Ça manque d'honneur et on ne peut pas accepter que Richard Martin quitte ce lieu qu'il a créé il y a 52 ans et qu'il fait vivre tous les jours par la petite porte. C'est complètement incroyable et donc le combat continue. Voilà.